myself. Take me right back to the start. Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 sur Call of Duty Advanced Warfare pour notre campagne qu'on va continuer. Alors la dernière fois, il y a eu comme vous voyez ici là c'était marqué effondrement. C'est vrai qu'il y a eu un effondrement, hein. Là le pont il est cassé et tout, c'était le bordel. Il y avait des drones, il y avait masse de kills et tout, c'était un carnage, c'était la boucherie charcuterie, je te dis c'est... Tu vois, quand tu vas chez le boucher, bah là, il y avait encore plus de sang là que chez le boucher, c'est un truc de dingue. Mais bon, bref, les amis, là, on va voir la suite à l'épisode 12 maintenant. Donc, avant ça, on va faire des améliorations. Hein. Ce que je peux voir, on peut faire des améliorations. Détection de grenade. Sprint. Non, oh, mais il y a plein de trucs bien aussi. C'est vrai que le trésorillement faudrait que je sois tranquille là-dessus. Puis après, il faudrait peut-être se mettre dans la visée. Ouais. On ira peut-être dans la visée après. Bon, ok, c'est parti. Il nous faut un rapport immédiat. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sentinelle 01, répondez. Major Cormac, il nous faut un rapport immédiat. On a du mouvement sur les transports 3 et 5. Changement confirmé sur ces cargos. Ils attaquent la flotte. Ça va être un massacre. Du calme, lieutenant! Il me reste combien d'hommes actifs dans le secteur? Je vais voir. Attendez. Liaison établie. À tous les sentinelles, répondez! Sentinelle de 2 en rapport. Charlie. Sentinelle 2-1, 5 sur 5. Vous allez pouvoir me dire ce qu'on fait maintenant. Je vous reçois. Mettez-vous en position sur le porte-avions. Je vous rejoins. Armada. Et encore l'exo d'assaut. Ah bah on va encore faire du kill. Ah vous voyez, tout à l'heure vous avez parlé d'une boucherie, bah là ça va être terrible encore. Atlas essaie de prendre le contrôle des armements du porte-avions. Il faut qu'on pose des brouilleurs sur les canons et qu'on appuie nos techniciens. Trop ennemis partout sur le porte-avions. Ils vont essayer de prendre le pont. C'est bon, allons-y. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Oh my god, on commence avec un sniper. À couvert! Michael, baisse ta tête, mon sang! Va poser le brouilleur sur le canon! Ah bah j'ai déjà une arme, ok. Oh, dans les couilles. Ah sale. Cible abattue. Alors tu sais ce que je vais faire, je vois j'ai une mitrailleuse. Je vais foncer dans le tas, tu vois, comme un bourrin. Et je vais les buter, hop, comme ça.
Leur claque du sale. Voilà, on fait exactement comme ça. Là, ça va largement plus vite. Mets le brouilleur en place! Il est touché! J'ai plus de munitions! Ah oui, le brouilleur. Mitchell! Pose le brouilleur! Ouais, bah attends, y'a des mecs devant. Un amateur! Oh mec, je suis occupé, voyons. Ouais, le brouilleur. Place le brouilleur! C'est ce que je suis en train de faire. Brouilleur en place! Plus qu'un! Deux hélicos arrivent de l'ouest! Non, je monte en haut, fais chier. Hélico d'Atlas en approche! Qu'il déploie des hommes! Regroupez-vous sur l'hélico t'a repéré! Planque-toi! Minute, hein. Hey. Lui il croit que je suis un mastodonte. Va poser le brouilleur sur le canon. Attends, le brouilleur. Ouais, ok. Ah, je vais faire maintenant parce que tu vois, le mec il est pas content, il est en train de péter un câble là donc. Ça devrait les ralentir. Canon sécurisé, on se dirige vers le pont. Je veux pas que quelqu'un se brise le cou. Allez, un renseignement. Ah là là, ça fait plaisir. Tu vois, au moins on pourra savoir des choses. Faire le plein de munitions. Je savais pas que c'était aussi dur d'ouvrir une porte. Salopard. Oh. Ah, tu sais quoi, pour lui faire honneur, je vais prendre son arme. Le courant a été coupé. Passez en vision nocturne. Coucou. Oh, j'adore, eh, j'ai trouvé l'arme à terre, franchement j'adore. Au pire, juste lancer une grenade. Thank you.
ici. L'ennemi contrôle le laser de défense anti-aérienne. Attends, ouais, fusil à pompe. Merci. Contact à 10h. Merde, j'ai caché la bonne grenade. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là la grenade. Bon, il est mort. Wow, c'est chaud là. Putain, là il y a de la difficulté. Par la poche. Ouais, ok. Je vais dire un truc, mais j'ai rien à dire. Oh, t'as un beau cul, Gideon. À toutes les unités, force d'intervention rapide d'Atlas en approche. Les capsules de déploiement se dirigent vers votre position. On est presque au pont. C'est un renseignement. Ah bah ouais, bah tiens, on parle de renseignement. J'en trouve un. Voilà, voilà. Oula. La voie est libre. C'est bon, je le vois. Contact à 1h. Davis, je demande l'autorisation d'activer Arclight. Code de sécurité Alpha Zulu Tango 997. Bien reçu. Vous pouvez entrer. Bien reçu. Hey, ils sont chauds quand même, ils ont un bon blindage.
Putain, je suis à la bataise hein, quand même. J'établis la liaison. Mitchell, tu vas t'occuper de la visée. Utilise ce terminal. Bah attends, là j'ai trouvé tous les renseignements pour la map là. Donc là c'est bon, j'ai 3 renseignements. Donc voilà, parfait. Oh, ouais, ok. Utilise ce terminal. Vise le cargo. On va rigoler. Stabilise la visée sur le cargo, Mitchell. Cargo touché. On passe au deuxième bateau. Cible détruite. Bien joué, Sentinelle. Bien reçu, amiral. Putain de merde. Là, il est allé trop loin. Et maintenant ? Maintenant ? Irons vient de tuer des milliers d'innocents sur le sol américain. Alors, on le retrouve et on l'élimine. Ah ouais, ah ouais, il est chaud là. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, comme je l'ai expliqué juste avant, ouais, c'est vrai que là, c'était encore une boucherie hein, quand même. Alors, l'épisode d'avant, c'était une boucherie. Cet épisode-là, c'est une boucherie. Et à skip, on va niquer la maman de Irons. Alors, je dis rien, mais peut-être l'épisode d'après, ce sera une boucherie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, objectif, dis like, commentez, partagez à vos amis, votre famille, sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous pour les nouveaux, ça fera extrêmement plaisir. Et c'était Colin Gaming, je vous dis ciao tout le monde.